Salut! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aujourd'hui un petit vlog, puisque j'ai la chance aujourd'hui, un peu mon cadeau de fête des mères grâce au blog et grâce à ma chaîne YouTube. J'ai la chance d'aller découvrir le spa Lush et j'avais envie de vous emmener avec moi parce que je trouve que c'est dingue et en plus c'est un endroit super sympa dans Paris. Donc je vous emmène tout de suite avec moi, juste pour information sur mes lèvres, parce que vous êtes nombreuses à me demander souvent ce que j'ai sur les lèvres quand je le porte. C'est un superbe rouge à lèvres que j'aime beaucoup, qui est le Juicy Checker Berry Tail de chez Lancôme, qui est une des nouveautés. Et je l'adore, je trouve qu'il fait un beau rendu sur les lèvres, un petit rendu printanier, un petit côté peps. Donc voilà, vous avez le rendu directement. J'espère que ça rendra bien parce que sinon j'ai l'air pas crédible. Donc je vous emmène avec moi au Spa Lush et sûrement découvrir les petites nouveautés Lush ou les petits produits Lush. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale Lush. Je vous ai pas dit, mais en fait, je vais faire un des super soins qui sont ici. Je vais faire celui-ci, The Good Hour, qui dure 70 minutes. Il a l'air plutôt sympa. C'est un massage profond complet pour disparaître les tensions, faire disparaître les tensions accumulées de certaines zones et soulager tout le corps. Et je crois que c'est aussi pour le mental. Ça va être sympa, ça va me faire du bien. Et pour celles qui sont intéressées, le spa Lush, il est au Marais, 18 rue Vieille Tempe, à Paris. Thank you.
retour à la maison, je peux vous avouer que je suis totalement KO parce que j'ai eu un soin de, je sais même plus combien de temps, 70 minutes je crois, ou enfin une heure et quart à peu près, de dingue. Donc c'était le The Good Hour, je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, et du coup ce soin, c'était juste magnifique. Parce que c'était un soin du corps, du coup, où vous avez un massage complet du corps avec un petit peu un massage un petit peu plus tonique que le massage relaxant, parce que la masseuse appuyait sur certains points, nœuds, et elle essayait de vous détendre un maximum et de vous enlever toute la pression que vous aviez dans le corps. Donc c'était juste divin, divin, divin. Bref, mis à part le massage, je voulais vous parler un petit peu de la boutique. Je vais vous mettre, soit avant, soit après, des petites photos de la boutique qui est juste hyper grande, hein, la boutique de Lush Spa. En fait, vous avez une boutique et après, vous avez une petite porte comme ça qui vous emmène dans le spa. Ne vous attendez pas à un spa style 4 étoiles, hyper Ikea, quoi, vous voyez le genre. C'est vraiment un spa un petit peu cottage anglais avec un petit raffinement, une petite décoration un petit peu vieillotte, mais c'est ce qui fait son charme. C'est pas dans le sens vieillot à l'ancienne, pas beau, mais c'est vraiment cocooning. On a envie de s'y asseoir. On a envie de d'y boire un thé, et d'ailleurs, à la fin du soin, j'ai eu le droit à un petit thé et à un petit gâteau succulent qui m'a fait voyager à Londres. J'avais vraiment l'impression d'être en Angleterre avec mon petit Earl Grey et mon petit sablé. En plus, c'est des sablés que j'adore, je les achète tout le temps chez Marks & Spencer. Du coup, je vous montre tout ça en photo et je pense que j'ai filmé un petit peu, mais c'était vraiment hyper sympa. C'est un petit spa vraiment divin. Les prix sont. Il y a vraiment différents prix, hein. Ça va de, je crois, 60 euros à 350 euros. Donc, effectivement, le soin de 350 euros, ça doit être un truc de fou. Moi, je pouvais choisir n'importe quel soin, mais j'ai pas choisi le plus cher parce que c'est pas ce qui m'intéressait. J'ai vraiment choisi un soin qui avait l'air adapté pour moi, à mes envies du moment. Donc, c'était mon petit cadeau de fête des mères, on va dire, puisque c'est dans quelques jours. Peut-être que vous aurez vu cette vidéo et ça sera passé, je ne sais plus. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, c'était un petit spa et vous aviez deux salles de massage avec une salle de bain juste énorme, hein, vous l'avez dû la voir dans la vidéo. Et ces salles, en fait, comment vous dire, elles ont la même ambiance, mais selon le soin que vous faites, que vous choisissez, vous avez vraiment une ambiance totalement différente. Moi, j'avais une ambiance un petit peu dans les tons verts, avec une petite musique, avec des petits oiseaux, j'avais l'impression d'être sur un bateau, les chants des marins, vous voyez un petit peu le style, ça m'a fait vraiment voyager. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Vous avez par exemple le soin The Comforter, qui est la fameuse, le pain moussant aussi The Comforter, qui a une odeur hyper sucrée, hyper divine. Et vous êtes dans une ambiance un peu plus étoilée, plus rose, vous voyez, un peu plus cocooning, vous êtes sur un matelas un peu plus mou. C'est vraiment, les masseuses, elles adaptent tout par rapport au soin que vous avez choisi, à l'ambiance que vous voulez, à ce qui va vous arriver, entre guillemets. Donc tout est choisi, mais c'est dans une même salle, mais on peut donner une ambiance différente à chaque salle. D'ailleurs, les vendeuses, hein, je précise, j'ai eu le massage de Jennifer, qui est une des plus anciennes masseuses de chez Lush, qui était juste adorable. Hyper sympa, hyper à l'écoute, enfin, c'était un truc de fou. Et j'ai pu parler aussi à la fin à une autre, à la deuxième masseuse qui était super sympa, hyper à l'écoute. Enfin, vraiment, la boutique Lush et le spa, ils ont été juste divins. Faut savoir qu'à la boutique Lush, ils n'étaient pas forcément censés savoir que j'étais blogueuse et youtubeuse. Hein, je suis arrivée comme une cliente lambda et ils ont été super à l'écoute. J'ai posé pas mal de questions par rapport à plein de produits qui m'intéressaient. Et là, comme il n'y avait pas grand grand monde, il n'y avait pas foule, ben j'ai pu pour une fois poser toutes les questions que j'avais et j'étais super contente. En sortant du spa, forcément, je suis passée dans la boutique Lush. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de sortir par la boutique Lush. Donc ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que le spa, il dit pas, bah tiens, on va les faire sortir par la boutique pour qu'ils achètent des choses. Pas du tout. Hein, vous pouvez ressortir par une petite allée très très sympathique. Donc c'est pas obligé de passer par la boutique. Et pour savoir aussi dans votre soin, quand vous payez votre soin dans le spa Lush, vous repartez avec le soin que vous avez testé en fait. Je m'explique. Par exemple, moi dans mon soin, c'était The Good Hour. Et en fait, la masseuse m'a proposé plusieurs barres de massage pour me masser, selon les odeurs que je voulais. J'ai choisi la barre de massage Itch Peach, qui est celle-ci en fait. Et du coup, elle m'a massé avec celle-ci. Vous allez me dire, mais elle est toute neuve. Effectivement, en fait, elle m'a massé avec celle-ci, mais elle m'en a donné à la fin une toute neuve pour que je puisse continuer un peu à la maison à me masser avec la barre de massage
que j'ai adoré. Et faut avouer que j'ai choisi une odeur, il y avait plusieurs choix, mais il y avait une plutôt gourmande, une autre un petit peu plus forte, et moi je voulais vraiment celle-ci. Elle a une odeur citronnée, ça me rafraîchissait, ça me faisait trop de bien. Et donc voilà, à la fin, vous repartez avec votre barre de massage dans votre soin. Donc ça, je trouve ça super sympa. Je trouve que c'est une super idée. C'est assez rare qu'après un soin, on repart avec les produits qu'on a pu tester dans le soin. Donc c'est une super, super idée. Ensuite, je suis passée dans la boutique. J'avais envie d'acheter des produits pour le bain. Donc j'ai acheté deux produits pour le bain. Vous savez que j'adore les produits Lush pour le bain. Et du coup, je me suis fait plaisir. J'ai pris la fameuse Twilight. Vous savez, c'est la... C'est une boule de bain, je vais l'ouvrir, hop, c'est une boule de bain qui est toute rose, qui est juste divine, et je l'ai jamais en fait, dans mes souvenirs, je l'ai jamais testée celle-ci, j'en ai testé plein d'autres, mais celle-ci à chaque fois elle me faisait envie, mais j'ai jamais craqué en fait. Donc la voici, elle est comme ceci, elle est vraiment très très jolie, hein. Et l'odeur, et je crois qu'il y a de la tonka dedans à l'intérieur, et c'est ça qui, je crois, qui fait cette odeur de dingue. Donc il y a de la lavande. La fève de tonka, l'ylang-ylang. Ah là, mais je l'adore cette. L'odeur est juste magique. Elle est trop belle, hein, cette boule. Elle est trop belle. Donc ça, c'est une boule de bain que vous mettez directement dans le bain quand votre bain est rempli. Vous mettez ça pour votre détente. Je me suis dit, ça peut être pas mal, ça. Et pour continuer, j'avais envie de me prendre un pain moussant. Et là, c'était une nouveauté qui sent vraiment le propre. Donc, il s'appelle le Milky Bath Bubble Bar. Donc, un verre de lait chaud, il est écrit, c'est rigolo. Donc, c'est vraiment une bouteille de lait, hein. Et voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, comme une bouteille de lait. Et ça sent vraiment, vraiment le propre. Ça a l'air hyper hydratant. Et je me dis que ça me donne bien envie, en fait, de tester dans mon bain et avoir cette odeur de frais, de bien-être pour le printemps. Ça peut être sympa, même si je fais beaucoup moins de bain. Pendant le printemps, hein, forcément, mais j'en fais quand même de temps en temps. Donc voilà, pour me détendre et pour me faire plaisir. Donc ça, c'était mes petites trouvailles. J'avais envie de les acheter et j'ai demandé un petit échantillon qui était celui-ci. Il faut savoir qu'à Lush, il faut demander les échantillons parce que si on vous n'en demandait pas, des fois on vous en donne qu'un. Mais vous avez le droit d'en demander plusieurs, surtout si vous faites une petite commande. Vous avez le droit de demander plusieurs petits échantillons. Donc là, c'est le Let the Good Time Red, je pense, hein, je sais plutôt. C'est un exfoliant pour le visage qui ressemble à ça. Il a l'air très sympa. Il a une odeur très 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 sympa. J'adore l'odeur. Donc ça, j'avais envie de tester comme ça, voir ce que ça pouvait donner. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Donc en exfoliant, nettoyant exfoliant pour le visage, ça a l'air très très cool. Et pour finir, j'ai eu aussi un baume capillaire parce que j'ai beaucoup demandé des conseils pour les cheveux. Et vous savez que je suis fan des produits capillaires chez Lush, hein, tout ce qui est baume pour les boucles, etc. J'en suis fan, fan, fan. J'ai hésité à m'en prendre d'ailleurs, mais je me suis dit, bon, je vais attendre de finir mes petits produits capillaires. Et après, je vais aller me lâcher, je pense, et aller me faire une petite razzia chez Lush. Donc là, j'ai pris le baume capillaire. Comment vous prononcez son nom? Swan Van Yan. Bon, faut avouer que le nom, là, il est vraiment bizarre. Hein. Je vous laisse le lire. Et donc, c'est un masque à appliquer sur les cheveux, laisser poser 20 minutes, et puis après, faire son shampoing, et voilà, j'avais envie, c'est pour les cheveux très très asséchés, donc je me suis dit que ça, c'était pour moi, avec l'été qui arrivait, ça allait pas les aider, donc ça ressemble à ça, hein. C'est une odeur vraiment particulière, c'est hyper épicé, mais bon, moi je m'en fiche, hein, du moment que ça fait le travail, voilà, moi je suis fan, donc je suis super contente, voilà pour les petits, mes petits cadeaux à la fin de ma petite visite chez Lush. Et j'ai reçu aussi un colis. Je voulais vous en parler rapidement. J'ai reçu un colis et j'avais reçu trois produits pour les hommes. Et j'ai trouvé ça dingue. D'ailleurs, dans ma vidéo, vous allez le voir, on a fait fondre cette. Ça sent très très bon. On a fait fondre cette boule pour le bain, entre guillemets boule, pour les parents, pour les papas, puisque c'est spécial fête des pères. Et elle est très très bien. Elle a une odeur divine. Elle est top. J'ai pu sentir, parce que là c'est tout emballé, un shampoing pour les hommes. Je vous remettrai le nom parce que j'ai oublié comme ça et c'est pas indiqué, mais c'est un shampoing pour les hommes qui sent très très bon, qui hydrate très très bien le cheveu. Quand on le touche et il a l'air hyper hydratant, hyper sympa. Donc ça c'est top. Et j'ai reçu aussi dans la collection pour les papas, pour la fête des pères, la crème multi-usage. Donc c'est un parfum chaud et oriental du bois de santal pour éveiller l'esprit et.
L'exfoliant aussi de la même marque a l'air top, top, top. Mais là, c'est la crème. Donc, elle peut s'utiliser sur le visage, sur le corps et sur les cheveux. Donc, ça dépend bien sûr de votre type de cheveux. Si vous avez les cheveux gras, je ne vous conseille pas. Mais sur le visage et sur le corps, ça peut être pas mal. C'est multi-usage en fait. Et du coup, c'est pas mal du tout. Donc, ça, c'était pour la fête des pères. Ils ont sorti aussi la même crème, sauf que c'est un exfoliant visage. Donc, ça, je pense que j'irai l'acheter pour mon chéri. Je vais voir. Je vais voir. Ça peut être pas mal. Et ils ont aussi. Je crois qu'il y a un pain moussant aussi pour la fête des pères. Ils ont fait aussi un petit coffret, donc tout ça vous l'avez vu en image. Donc voilà. J'espère que cette petit vlog avec moi, même si je vous ai pas beaucoup parlé pendant le vlog, mais j'avais envie vraiment de vous faire profiter de l'ambiance de chez Lush. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez envie d'autres vidéos revues Lush sur des produits en particulier. Et dites-moi tout ça en commentaire, bien sûr, comme toujours. Je vous fais des milliards de bisous. J'espère que pour les 10 000 abonnés, j'espère vous faire gagner un gros lot Lush. D'ailleurs, j'ai rencontré l'agence de presse de chez Lush, qui est Bérangère, et je la remercie du fond du cœur pour tout ce qu'elle m'a permis de réaliser aujourd'hui. Et en plus, je suis super ravie de l'avoir rencontrée, donc c'est top, top, top. Et puis, j'espère pour les 10 000 abonnés, vous gâter, donc n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous ferait envie en commentaire, sinon moi-même, j'irai vous acheter tout ça en boutique Lush et j'irai, je pense, dans cette boutique-là. Je vous mets les adresses du spa et de la boutique où je suis allée, bien sûr, en barre d'infos. Et voilà, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de venir dans Paris, dans le Marais, voilà, faire un petit tour là-bas, sachant que moi, après, je suis allée faire un petit tour à Angelina, le fameux café parisien que j'aime beaucoup. Enfin, j'y vais rarement, mais je vais de temps en temps. Je vous mettrai quelques photos aussi si ça vous intéresse. C'est assez typique de Paris. Hein. Si vous venez faire un tour dans le coin, du coup, c'est pas très très loin. Lush, Angelina, ça peut être un bon duo. Surtout après un bon massage comme ça. Bon, allez, je vous laisse. Bisous!